Et si Venise était rock'n'roll ? Si les bijoux punk avaient été créés il y a 150 ans sur la lagune ? Eh bien, l'arrière-grand-père de ce monsieur y serait pour quelque chose. Ici, c'était ouvert la boutique en 1866. Donc, Venise n'était pas encore Italie. Ce qui ne change rien, car la réputation de la maison ne tient pas compte des frontières. Les femmes qui portaient le bijou Codognato sont peut-être Grace Kelly qui a porté les choses, Jackie Kennedy aussi. Il y a un roman de Hemingway où il fait cadeau du Moretto Codognato à son amant. Et Coco Chanel, Heidi Klum, on peut ajouter Nicole Kidman. Bon, on s'arrête là parce qu'on n'a pas le temps de lire tout le bottin-mondain des 150 dernières années, tu nous en veux pas ? Et si on parlait plutôt de ce qui fait le charme de la maison ? Par exemple, les vanités, c'est un thème qu'on a touché depuis des années et des années. Et maintenant, à travers la mode, à travers des mannequins qu'ils ont portés dans des défilés, nos choses, etc., ils sont devenus un objet de culto, comme on dit en italien. Culte en français. Et ils sont assez recherchés. Et moi, je les produis, justement, comme les vrais bijoux sont faits à la main. Et nous avons des ateliers un peu partout. Partout ? Dans Venise. Allez, on te fait un plan touriste pour y aller. Ça fait toujours plaisir. La gondole au sol est mio. Voilà, on est arrivé. Nous allons voir notre artisan orfèvre Bianchini. Il nous attend pour parler de certains projets de bijoux et de ceux qu'il est en train de réaliser. Allez, on va découvrir aussi. Ciao tutti, les ragazzi. Quoi, c'est comme ça qu'on dit ? Ah ouais, ça quand même c'est spécial, hein. Aussi, c'est de grandes beautés. On a la chance d'avoir encore des ouvriers qui travaillent à la main et qui sont des vrais artisans à l'ancienne, dont il y a une espèce de tradition vénétienne. Bon, eh ben on va pas vous déranger plus longtemps parce que ça a l'air coton ce que vous faites. C'est quoi d'ailleurs ? On doit réaliser la gravure de ce bracelet selon ce modèle. Ah oui ! Cela va nous demander environ un mois de travail. Midi à Tilio, c'est un peu cher ces merveilles, non ? Ça, je ne dis pas que chaque fois, ça devient un problème si je le vends moins cher ou plus cher. Ça. Ouais, mais comme ça, en général, une fourchette, quoi. Alors, si c'est une question à laquelle je n'aime pas répondre, mais... Ouais, on avait compris. Toujours autour, pas celui-là, mais autour de 25-35 000 euros. Ah. Ou 50 000 euros maximum. Parce que je veux que quelqu'un porte volontiers un bijou qui ne soit pas comme un investissement immobilier. C'est un bijou. Attilio, je t'aime bien, mais t'as raison, faut pas parler argent, ça gâche tout plaisir des yeux, c'est mieux. C'est un travail qui se fait à la main. On utilise ce genre d'outils. C'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de patience, du talent, de l'expérience et de la technique. Nous sommes en train de réaliser une tête de mort. Un bijou comme celui-là demande 20 jours de travail. Après, je fore la bague avec une sorte de perceuse électrique. Et puis j'y dispose les brillants. Il faut les incruster dans les yeux. Cette tâche-là est réalisée par un autre artisan. Et notre bague est terminée. On va conclure avec un exemple. Alors, ici, peut-être, il y a tous les discours. Et voilà, ça, c'est un objet exemplaire, mais et ça aussi. Les gens reconnaissent qui a fait ça. Pendant le tournage de Mort à Venise, Visconti, le soir, venait me demander ce que j'avais de plus beau. Et moi, je lui disais,
Maestro, vous avez déjà acheté ce que j'avais de plus beau, c'était hier.